Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs. Bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. La première édition du mois du livre et de la lecture a été lancée hier au Musée national par la ministre de la Santé publique représentant le Premier ministre, chef du gouvernement. De nombreuses activités sont prévues pour ce mois du livre dont l'objectif est de rendre pérenne la lecture. Mamad, c'était en présence du ministre de tutelle, Mamad Saleh Aoun. Lachakbe, Pabamé Désiré. Cette première édition du mois de livres et de la lecture vise à donner plus de visibilité au patrimoine littéraire en milieu scolaire. Elle se veut également un cadre pour valoriser le rapport au livre et développer le goût de la lecture. En outre, il est question de familiariser et initier les jeunes publics au livre et à la lecture. Et surtout, de mettre en valeur la production de la littérature tchadienne. Je suis ravi et honoré que vous ayez accepté non seulement de procéder à l'ouverture événement, mais aussi de lire un extrait du premier livre de Joseph Brahim Seyd, Au Tchad sous les étoiles. Vous savez, cet ouvrage, publié en 1962, il était épuisé, introuvable. Aussi, pour marquer le 90e anniversaire de l'auteur, nous avons décidé tout simplement de le rééditer. Pour inciter les jeunes à la lecture, le ministre de la Santé publique, Mme Garmatna Carmel Soukat, représentant le Premier ministre, a expliqué l'importance et l'intérêt qu'a apporté le livre « Au Tchad sous les étoiles » de l'écrivain Joseph Brahim Seyd. Pour Mme Garmatna Carmel Soukat, cet ouvrage a édifié et cultivé plusieurs jeunes tchadiens, particulièrement les élèves des classes de première et terminale. Plusieurs activités sont au programme. Il s'agit entre autres des conférences de débat, des expositions littéraires, visite de la Bibliothèque nationale et le Musée national, des journées portes ouvertes dans les imprimeries et les maisons d'édition de N'Djamena. À l'école normale supérieure, l'enseignant-chercheur Mahamat Amina Abba Al-Bagari a présenté son livre intitulé « La ville d'Abgar sous le règne du sultan Ban Hadi Oli » de 2003 à 2016. C'était dans le cadre de la célébration de la première, du lancement pardon, de la première édition du mois du livre et de la lecture. Varilat. La ville d'Abgar sous le règne du sultan Ban Hadi Oli de 2003 à 2016 est le titre de l'ouvrage écrit par l'ancien chercheur Mahamat Amin Abba Al-Abgari. Cet ouvrage met en relief l'histoire du Bagrimi, la ville d'Abgar qui signifie la corne à une tradition millénaire. Le livre, subdivisé en quatre chapitres, parle entre autres de l'historique de la ville d'Abgar, des activités du sultan du Bagrimi lors de son séjour à Abgar, des conflits et de la réconciliation. Pour l'auteur, la ville d'Abgar regorge d'énormes potentialités au nombre desquelles l'agriculture, l'élevage et la chasse. L'auteur de poursuivre que la ville d'Abgar est gardienne de la tradition bagrimienne. Né en 1955 à Abgar, dans la région du Chari Bagrimi, Mahamat Amin Abba Al-Abgari enseigne à l'école normale supérieure de N'Djamena. La ville d'Abgar, sous le règne du sultan Ban Hadi Oli, est son deuxième ouvrage après la civilisation islamique au royaume du Bagrimi. Chose à présent, le Centre national des curricula organise depuis ce matin dans ses locaux un atelier d'élaboration des curricula des classes de la première de l'enseignement secondaire général. Cette initiative consiste à promouvoir l'excellence par des curricula et des manuels adaptés aux réalités du pays. Le reportage est signé Kalia Gabana. Mettre à la disposition des élèves tchadiens de manuels scolaires adaptés aux réalités du pays, c'est l'ambition affichée par le Centre national des curricula CNC. C'est dans cette perspective que les pédagogues réunis ici sont à pied d'œuvre pour élaborer les curricula des classes des premières scientifiques et littéraires. Il sera question pour ces chevronnés de l'éducation de produire en deux semaines les curricula des classes des premières de l'enseignement secondaire général. Le directeur général du CNC, Dr Aboubakar Ali Koré, souligne que l'élaboration de ces manuels est un pas en avant pour le système éducatif tchadien. L'élaboration de curricula est la phase la plus importante des processus d'élaboration de manuels car les choix pédagogiques et des didactiques seront opérés pour produire des manuels de bonne qualité. Compte tenu de cette importance, je suis convaincu que vous n'économisez aucun effort pour que la fin de ces travaux de curricula de bonne qualité pédagogique soit
disponibles. À l'issue de ces travaux, 9 disciplines seront élaborées. Il s'agit du français, de l'histoire-géographie, des langues vivantes, des mathématiques, la physique-chimie, les sciences de la vie et de la terre, l'éducation physique et sportive et la philosophie. Ces curricula, faut-il le préciser, seront conçus en français et en arabe.